Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec nos bleus qui nous ont rassurés hier soir face à la Belgique en s'imposant 2-0. Un peu d'oxygène, titre l'équipe ce matin. La France a retrouvé une équipe, écrit le Parisien. Après le match délicat, perdu 3-1 contre l'Italie vendredi dernier, la France a montré un bien meilleur visage face aux Belges. Mais tout ça, c'est grâce aux bienfaits de l'alternance, comme on peut le lire dans les pages intérieures du journal L'Équipe. Didier Deschamps a revigoré son équipe avec 8 changements, avec une équipe généreuse et bien organisée. L'animation offensive était bien meilleure que contre l'Italie, avec un Randal Kolo Muani buteur et un Ousmane Dembélé enfin décisif, lui qui n'avait plus marqué depuis novembre 2023 contre Gibraltar. Enfin, le Corriere dello Sport titre de son côté « La France respire enfin ». Merci aux Italiens d'avoir la compassion pour nous après nous avoir fait la démonstration. Si c'est la joie pour la France, ça l'est beaucoup moins pour la Belgique. Dans les colonnes de la DH et la Libre Belgique, on évoque le complexe des Diables face aux Bleus. Cette défaite vient simplement poser la question du complexe que peuvent nourrir les Diables face aux Français. Alors que de son côté, HLN titre « Ils ont au moins essayé ». Pareil pour Newsblad qui écrit « La loi du plus fort, ni plus ni moins, cette génération française est bien meilleure que la Belgique et cela s'est vu ». La presse est dépitée par la prestation de la Belgique et Kevin De Bruyne aussi, qui était au bout de sa vie après le match. D'après la presse belge, qui s'appuie sur des images dévoilées par RTL Sports, après la défaite contre l'équipe de France, Kevin De Bruyne aurait annoncé au directeur technique de la sélection belge sa volonté de tout arrêter. De cet échange loin des caméras, mais suffisamment près pour être interprété, nos confrères belges ont cru deviner un « X-stop », qui veut dire « j'arrête », sortant de la bouche de Kevin De Bruyne. D'ailleurs, il n'a pas mâché ses mots et a pointé du doigt son équipe. Si tu n'es pas assez bon, tu dois tout donner. Certains ne font même pas ça. Dans ce cas, il n'y a pas d'espoir. Certains joueurs n'ont pas effectué leur tâche. Point à la ligne. Ce qu'on doit améliorer, je ne peux pas vraiment dire cela devant votre micro. Je disais tout haut ce que je pensais à Genk quand j'avais 18 ans, mais je ne le fais plus à 33 ans. J'ai dit mes vérités dans le vestiaire à la mi-temps, a déclaré l'international belge. Le mercato est terminé en Europe, mais un officiel vient de tomber. Sans club depuis plus de 2 mois et après son départ de l'Atlético de Madrid, Memphis Depay a accepté la proposition du club brésilien des Corinthians et s'y est engagé jusqu'en 2026. Les Corinthians ont trouvé un accord pour l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais pour un contrat de 2 ans et demi à 400 000 euros par mois. On prend la direction de l'Espagne pour évoquer le Real Madrid. Le roi du mercato, titre A ce matin. En effet, bien que Madrid ne soit que 8e en termes de dépenses, ses investissements de 720 millions d'euros ont presque doublé en valeur, atteignant 1,3 milliard d'euros. Les arrivées de joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Bellingham illustrent cette stratégie rentable. Mbappé a été obtenu à coup nul après des négociations patientes et Hendrik représente un pari sur l'avenir. Le club mise également sur la détection précoce des talents, évitant les enchères démesurées comme dans le cas de Leny Oro, tout en capitalisant sur des opportunités comme Alaba et Rudiger. En gros, le club privilégie les jeunes talents prometteurs tout en évitant les dépenses excessives. Un joueur fait beaucoup parler ces dernières heures, surtout depuis qu'il n'a pas été nommé dans les 30 pour le Ballon d'Or. Après la publication des nominations, Rodrigo a partagé sur ses réseaux sociaux une image de ses titres remportés, accompagnée d'émoticônes moqueuses. Dans une interview sur ESPN, il a déclaré « J'étais bouleversé, je pense que je le méritais, je pense que j'avais ma place dans les 30, c'était une surprise ». Il a aussi reçu le soutien de ses coéquipiers au Real Madrid et en sélection brésilienne qui l'ont encouragé face à cette absence. On reste en Espagne pour évoquer un autre crack qui lui a été nommé dans les 30 du Ballon d'Or alors qu'il n'a que 17 ans. Je parle bien sûr de Lamine Yamal. Ses chiffres en 2024 parlent pour lui, comme l'écrit le Mundo Deportivo, il est le meilleur passeur après Kevin De Bruyne avec 17 passes décisives. Lamine surpasse également des joueurs comme Mbappé et Vinicius en termes de dribble réussi en Liga. Il a contribué à 17 victoires et un nul en 18 matchs pour son club et son pays. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est rapidement devenu une référence dans le football, tant avec le Barça qu'avec l'équipe nationale espagnole. Ses performances impressionnantes, comme son influence décisive lors des récentes victoires de l'Espagne, confirment son statut de crack mondial. On prend la direction de l'Angleterre, Harry Kane deviendra le 10e homme à atteindre 100 sélections en Angleterre ce soir et il pense déjà à inscrire son 100e but. Le capitaine des True Lions, 31 ans, a marqué 66 fois pour l'équipe nationale, un record, mais il vise beaucoup plus haut. Il sait que beaucoup douteront qu'il soit capable de marquer jusqu'à 100 buts, mais la star du Bayern Munich a insisté. « C'est définitivement possible », a-t-il déclaré. De son côté, à 29 ans désormais, Jack Grealish doit maximiser son talent. Sa récente performance avec l'équipe d'Angleterre a été marquante, contrastant avec sa saison décevante à Manchester City. Sous Pep Guardiola, il joue un rôle plus conservateur, tandis que Lee Carsley, sélectionneur par intérim, lui a permis d'être plus créatif. Grealish admet avoir vécu un été difficile, mais il est déterminé à retrouver sa forme et à faire des sacrifices pour rester au plus haut niveau, notamment en vue de ses 30 ans. Côté mercato, Manchester United a reçu un coup de pouce dans sa quête du milieu de terrain français, Adrien Rabiot. Le joueur de 29 ans, qui était proche de rejoindre United en 2022, est désormais disponible en tant qu'agent libre après avoir quitté la Juventus cet été. Rabiot a refusé des offres de la Saudi Pro League et de Galatasaray, et il est prévu qu'il entame des discussions avec Manchester United. Affaire à suivre. On s'intéresse désormais à Cristiano Ronaldo qui n'en finit plus d'affoler les compteurs.
Lors de la victoire 2-1 contre l'Écosse en Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo, 39 ans, a marqué le but décisif à la 88e minute, bien qu'il soit entré en jeu à la mi-temps. Ce but porte son total à 901 buts en carrière, dont 132 en sélection, avec 214 apparitions pour le Portugal. Ronaldo, actif depuis 2003 avec l'équipe nationale, pourrait disputer sa 6e Coupe du Monde en 2026. L'entraîneur Roberto Martinez loue non seulement ses buts, mais aussi son influence sur l'équipe. Malgré son âge et sa présence en Arabie Saoudite, Ronaldo reste un élément incontournable de sa sélection. Le Daily Mail se pose même la question, quand est-ce que ça sera fini pour Ronaldo ? Roberto Martinez l'avait assuré après l'Euro, Cristiano est dans l'équipe nationale du Portugal parce qu'il le mérite. Le Daily Mail rapporte même un sondage qui a montré que 54% des fans souhaitaient que Ronaldo débute le quart de finale contre la France, contre 30% qui l'ont soutenu pour le quart de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc 2 ans plus tôt. On termine cette revue de presse en Italie. L'Italie a remporté une victoire cruciale contre Israël, malgré un match peu mémorable, qui lui permet de garder la tête du groupe en Ligue des Nations. Les joueurs Fratesi et Moïskine, revenus en équipe nationale, ont marqué pour consolider le score, bien que le but d'Abu Fani à la 90e minute ait rappelé quelques erreurs défensives. L'équipe, bien que solide, a montré des signes d'inquiétude après un été difficile. L'entraîneur Spalletti privilégie une approche concrète avec la possibilité de sécuriser la qualification en octobre. Cependant, le match a été entaché par des comportements inappropriés de certains supporters italiens, soulignant un climat de tension. Dans le secteur invité, 30 ou 40 ultras italiens ont tourné le dos pendant l'hymne israélien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.